te hago volar. Muy alto las estrellas puedes tocar, pero conmigo no te puedes quedar. Yeah. Antes de que el botón te abroche, hagámoslo como la última noche. Y si no volvemos a ver, pa' que nadie sospeche, cambiamos de hotel. Garçons qui veulent se joindre à ce workshop en ligne, ils sont les bienvenus. Donc, sur la demande de certaines d'entre vous, j'ai préparé une petite chorégraphie Lady Style qui fait travailler les bras et les hanches. Hi girls and boys. Boys are welcome in this video, in this workshop video. Some of you sent me message about my previous dance tutorials. Thank you so much, by the way. And you were asking me to prepare like a lady style choreography to practice arms and more hips movements. Bien sûr, il y aura du footwork parce que j'adore le footwork. And you will be working footwork too because I just love footwork. Let's do it. Okay, let's get started. So, you guys start with your right. Vous commencez avec votre pied droit. I will be mirroring and sometimes I will be facing the back. Donc là, je vais le faire en miroir pour que ce soit plus facile pour vous poursuivre et de temps en temps, je me tournerai face derrière. Ok, comme ça, vous pourrez voir le voir de dos. Ok, we start with half dominican box. On commence avec la moitié d'une box dominicaine. On one, you open. One, two, you close. And three, you take it to the back. And four, this is just your mark. Let's do this again. Donc, à un, je vous ouvre sur le côté. Deux, je ferme. Trois, je vais vers l'arrière. Quatre, je marque. OK? Awesome. As you do this, you can add the styling with your left arms. As I will be opening on one, this one will just go up. OK? Up and melt down on three, four. OK? Really take your time. So, let's do this with the step. And one. 2, 3, 4. Ok. Donc, encore une fois, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Super. These hands, you have three options. It can stay here, it can go here, or at the same time, I'm raising my left with my right, I can pick up and just come here as I'm, like I'm stretching on the morning. Hey, yes. Ok. Donc, vous avez trois options. Soit tu la gardes placée là, comme tu veux. Ou alors, en même temps qu'avec ton gauche, tu le fais monter. Celui-là va venir près de ton visage ici. Et là, je veux juste que tu imagines que c'est le matin et tu t'étires. This one will just slide along the rib cage and just melt down. Ok. Tu finis juste ton mouvement en slide sur la cage. Let's do just the arms. 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4. Awesome. Let me do this to the back. 5, 6, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4. Okay? Let's do with the step. 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4. Okay, let's keep going. 5 and 6 and 7, 8. So we walk with syncopation. Là, on va marquer les contretemps. 5 et 6 et 7, 8. OK? Let me do this facing the back. So we finish on 4 here. OK? I marked my weight is on the right. And I do 5 and 6 and 7 and close. OK? You can add a little twist, okay? Let me explain you. So as I'm doing 5 and 6 and 7, 8, I will orientate a little bit my knee to create more curves with my hips and my body. 5 and 6 and 7, come back flat, okay? Donc ici, je peux twister un peu mes genoux et vous verrez que ça crée davantage de courbes au niveau des hanches. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, mon carré. 5 et 6 et 7 et je reviens de face pour marquer 8, ok? Let's take it from the top. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5 and 6 and 7, 8, ok?
Pendant les syncopations, tu gardes juste tes mains et tranquillement, tu utilises tout le temps pour les laisser glisser. Ok? Let's keep going. So on one, I will be open on the side. One. My two is just to pick up the knee here. Make sure it's on the in the diagonal, so you don't kick your partner's ball. Ok? Faites attention les filles ici, le genou il est vraiment il est vraiment orienté pour pas donner un coup de genou à votre partenaire, ok? 1, 2, 3, 4 et 5, ok? Let me do this facing the back. So we do 1, 2, 3, 4 and 5. 5, I'm on my left, everything ok. My arms are just staying between my boobs and my hips, are just relaxed, ok? Les bras, ils sont naturels entre la poitrine et les hanches. Ils font rien de particulier, juste les épaules relâchées. Let's take it again. So, 1, 2, 3, 4, and 5. 5, 6, 7, 8. Just a simple hesitation. Donc, hésitation step, super facile. On était là à 4, on a fait 5, 6, 7, 8. Pour repartir à 1, ok? Your options, though, is to add a cha-cha slide, ok? Là, vous avez l'option de rajouter le cha-cha slide. It's an advanced footwork, so if you don't know it, just stick to the normal hesitation and give me booty every time you transfer 5 and 6 and 7, 8, ok? Si vous ne connaissez pas le cha-cha slide, juste restez à l'hésitation 5, 6 et donnez-moi des hanches, ok? À chaque fois que vous pressez dans le sol, je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe ici. Rappelez-vous, super important, les hanches sont la conséquence du transfert du poids du corps dans le sol, d'accord? En ce qui concerne la bachata, les danses latines en général, mais surtout la bachata. So your hips movement is the consequence of your body weight transfer into the floor. Super important, okay? Don't try to make it happen. It's happening because I'm pressing the floor like a little cat. Okay, or like I'm going to the gym, you know this machine. Okay, so let me demonstrate the hesitation with the cha-cha slide. So the timing will be 5, 6, and 7, 8, and okay, 5, 6, and 7, 8, and timing will le timing ça va être 5 6, 7, 7, 8 et 1. Ok? Encore une fois. 5, 6 et 7, 8 et 1. Let me do this facing you. So we did 1, 2, 3, 4 and 5, 6 and 7, 8 and 1. Ok? So as I'm doing my cha-cha slide, remember girls, don't focus on your foot, on your feet, sorry. But on your hips movement. Donc les filles, rappelez-vous ce que je vous dis à chaque fois dans mes cours de lady styling pour le cha-cha slide, c'est vraiment le bassin qui crée le slide, ok? Bon, il y a d'autres tricks, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Mais 1, 2, 3, 4 et 5, c'est mon bassin qui me permet de transférer mon pied, d'accord? Et de créer le slide. My arms are just relaxed. Make sure they are not coming up. Sometimes when we focus on our feet, our arms comes up and we look like a little T-Rex, ok? Les filles, faites attention, quand on se focalise beaucoup sur les pieds, on a tendance à avoir les bras qui montent et on ressemble à un petit T-Rex, un dinosaure. Donc là, vraiment, garde tes bras relâchés. What you can do as a standing is to look over your shoulder. Donc je regarde par-dessus mon épaule et je regarde mes hanches quand je fais mon cha-cha slide. Let me demonstrate this for you. So as I'm doing 5 and 6, 7, 8. I look over my shoulder, so like I pretend I'm watching my hips. Okay, let's take it from the top. 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4. 5 and 6 and 7, 8, and 1, 2, 3, 4, and 5 and 6, 7, 8, and 1. Okay. One time facing the back and we move on. 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4,
5 and 6 and 7, 8 and 1, 2, 3, 4 and 5 and 6, 7, 8 and 1. On 1 is just a simple body roll. 1, 2, 3 and 4. Ici, je fais un chassé pour pouvoir récupérer mon poids du corps sur la jambe droite et d'être prête à 5 d'aller avec mon gauche, ok? So here's a little tricks to find our body weight to be ready to step with our left on 5. So as I'm doing my body roll, 1, 2, 3 and 4, I do like a chassé. So let's, like this is 1, is 3 and I'm ready to go on 5 with my left, okay? As you give me this body roll, you can take a pastry roll, bakery roll, how do you call it? Donc quand vous faites votre body roll, vous pouvez prendre un rouleau à pâtisserie comme vous voulez. I have two fists, donc je fais deux points et je fais 1, 2, 3, 4, ok? Facing you, this will look like, et 1, 2, 3, 4. Or, a little bit more sensual, you start from your sternum and here you will just open. Make sure you spread your fingers so you don't touch your boobs, okay? Be careful with this, okay? We just wanna pretend, okay? Donc les filles, vous avez une deuxième option, c'est le côté plus sensuel, c'est de vous caresser. Mais vraiment faites attention d'ouvrir vos doigts pour pas vous toucher la poitrine, d'accord? Donc sur le 1, 2, 3 et 4, et du coup ici je peux finir là vers les laines, ok? 3 et 4. 5 et 6 et 7, 8, ok? Donc on retrouve nos contretemps. Here, very easy, this is your in and out step. In and out and in and close, ok? So, let's take it from the body roll. We did 1, 2, 3 and 4. This is 5 and 6 and 7, 8. Donc, je croise devant, je reviens, j'ouvre, je reviens, je croise et je ferme. Ok? Let's take it from the top. 5, 6, 7, 8 and 1. Oh no, sorry, this isn't 1. You can do this as well too. 5, 6, 7, 8 and 1. 2, 3, stretch. 5 and 6 and 7, 8 and 1, 2, 3, 4 and 5 and 6, 7, 8 and 1, 2, 3 and 4, 5 and 6 and 7, 8. Awesome, let's do it from the facing the back. 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, breathe, 5 and 6 and 7, 8, 1, oh sorry. 2, 3, 4, and 5, and 6, 7, 8, body roll, and 1, 2, 3, chassé, 5, and 6, and 7, 8. How did you go? Okay, let's try that. Oh no, let's finish the first part, and then we do it with music, okay? And you can press pause and repeat as many times as you need if you're lost, okay? On finit juste un dernier 8. Pour finir cette partie-là, ok? So we did in and out. 5 and 6 and 7, 8. Here, sorry, I'm not gonna mark. Here, I'm gonna pick up and I will pad myself with my foot here. And this is N1, ok? So it's like you are at the bar and you want to sit on this very high chair, you know? Usually you do this, ok? When you... Quand vous êtes au bar et vous voulez vous asseoir sur un tabouret haut, en général, naturellement, vous faites ça les filles, d'accord? Donc là, on va faire exactement la même chose. Après notre in and out, let's take it back to the in and out. We do 5 and 6 and 7, 8 and 1, 2, 3, 4. This is your leg work. On travaille les cuisses là, ok? Let me do this facing the front. So we did in and out, 5 and 6 and 7, 8. Let's take it to the in and out. So we do 5 and 6 and 7, 8. Here, je veux vraiment que votre jambe, elle monte. And 1, 2,
three, four, okay? And here I have my back arch. I'm bending on this leg, and this one is straight if I can, otherwise like this is fine too, okay? To protect your knee, donc les petits tips pour pas vous défoncer les genoux. Donc, what is important is when I open on one, here, it's like your squat technique, your knee are tracking over your toe. Donc là, c'est super important que mes genoux soient dans l'alignement de mes orteils, d'accord? C'est pour ça qu'en bachata, on a beaucoup cette posture 90 degrés, d'accord? Qui est très spécifique à la bachata sensuelle, enfin, nouveau courant, d'accord? So here, my legs are open like 90 degrees, so I'm more stable, okay? And my weight is really on my right, okay? I'm going down. For the choreography, I want you to go as down as you can, okay? Just to challenge yourself. But on the dance floor, obviously, you don't have to go that crazy, okay? So, ici pour la choré, essayez de vous entraîner de descendre aussi bas que vous pouvez. Un, deux, and here I just swap, but I find my 90 degrees on the other side, knee tracking over two, and here we start with my butt, and butt. Yes, awesome. Let's do this again. So, from the in and out. One, two, three, four, five, and six, and seven, eight, and one, two, three, four. Yes. This is not really count here, it's on the lyrics. Ici, on n'est pas sur les comptes, on est vraiment sur la voix de Prince Royce. Vous verrez, il commence à faire... Ok, et là, on va faire un petit combo sur... Ok, let's do this again. With the arms. You know my favorite arms movement. This one, donc on va faire mon mouvement de bras préféré, ça s'appelle le décoiffé. There is a tutorial video about all the principle of do your hair, undo your hair. So I will just write the link into the description. Donc il y a déjà une vidéo tuto sur les principes de coiffer et de décoiffer sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo là, ok? Donc ça c'est vraiment mon styling préféré, les filles qui prennent mes cours elles vous le diront. Donc quand je viens ici et que je m'assois sur mon tabouret haut là, cette main en fait elle va venir glisser le long de ma cage, toujours avec les doigts ouverts, ok? Et ici je vais venir me masser la nuque et je vais placer mes cheveux de l'autre côté, d'accord? Very easy. So let's take it from the in and out. We are here. Let me do this maybe facing here. Yes, so in and out, we do five and six and seven, prepare. Oh, sorry, I'm starting straight away on the neck. I'm not starting here, je commence directement au niveau du cou, je commence pas au niveau de la cage, des côtes, pardon. Donc je frotte, and one, two, three, four. Facing the back, in and out. Five and six and seven, eight and one, two, three, four. Okay? Just keep your hands sliding on you, you can get wrong. Awesome. Okay, let's keep going. So, here, cambré technique. Again, there is a tutorial video, but it's not in English, sorry guys. Donc il y a une vidéo tutoriel aussi sur la technique des cambrés qu'on va mettre en pratique maintenant du coup. Donc ici, si tu as bien suivi la vidéo, rétroverse ton bassin. Voilà, super. Quand je rétroverse mon bassin, ici vous n'avez pas besoin de me donner un grand cambré. Tu peux juste te redresser complètement et juste regarder au plafond sans lâcher ta nuque, ok? Here you don't need to give me a big cambré, ok? Because you're already out, if you go opposite, you can just unroll your spine. Here I'm straight and I'm just watching the sky and I'm not dropping my head, okay? I'm making this very long. Here my abs are squeezed like crazy, okay? Ici j'engage vraiment mes abdos.
to protect my lower back and to make it look effortless on the top. So, il n'y a pas de tension dans les épaules, d'accord? Parce que ça, c'est dur, c'est solide et c'est ce qui me soutient. Ok, let's do it again. 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4. Here. As I do this, I'm gonna collect something. Here, pendant que tu fais ta rétroversion du bassin, je veux que tu attrapes quelque chose sans trop rouler les épaules devant, d'accord? Juste attrape, hop, ici tu regardes au sol et regarde-le une fois, sinon tu vas être perdu. Pendant que je fais juste, ici c'est juste, je vais changer, d'accord? Donc, pas besoin d'aller bas, je vais me mettre comme ça. Pas besoin, you don't need to do this. It's just illusion. I'm here and then we go here. I don't know if you can see what happened. Let me do here. Illusion. You don't need to go big, okay? So, let's do this again. So we do 1, 2, 3, 4 and pelvis and grab, collect. Okay, and look up. Okay, I'm folding my arms. Here, as I'm changing my chest, my chest orientation, okay? My hands will, woo, here. So sorry, we were here and we just go up, up, okay? Let me do this and just watch. So this is one. Enfin, la, 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 okay? Tac, here. And on the ch, this is your ch. So, I'm here, I'm just whoop, flicking my hair, okay? Careful, it's a contraction, so I'm not bringing my weight too forward, okay? Vous avez vraiment besoin, les filles, de faire une contraction au niveau de l'estomac sans engager les épaules pour éviter d'emmener trop de poids, d'accord? Et de partir, okay? Donc ici, c'est juste, je suis là, okay? Contraction et flic. And to make sure your hair gets off your face, I advise you to... There's a string and you're going under the string. Comme si vous passiez sous une barrière. Donc vous êtes là. Et hop. Okay. Let's do this again. And then we do with music from the top. 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, collect, and 5, 6, 7, 8, and shh. How did you go? Okay, let's take it from the top. Facing the back, maybe? Okay, let's do this. 5, 6, 7, 8. This is 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, 8, and 1, 2, 3, 4, and 5, and 6, 7, 8, and 1. Go to your 2, 3, in and out. 5, and 6, and 7, 8, and 1. 2, la, la, la. Didi. Otra noche que te hago. How did you go? Okay, let's do it again, and this time I will be facing you. On va le refaire, et cette fois je le fais de face, en essayant de pas mourir. Otra noche que te hago volar. Muy alto las estrellas puedes tocar, pero conmigo no te puedes quedar. Antes de que el botón. Okay, so that's all for part 1. Donc c'est tout pour la partie 1. If you're still with me, let's move on part 2. Donc,
Si vous n'avez pas marre, on continue et on fait la deuxième partie. C'est parti. Ti la la. This is a guitar. Ti la la. Oh. And I'm using like a. Oh. And here, my plan was to do a beautiful attitude to go into your five. No, to go into your one. Sorry. But I don't have enough space every time I end up next to my sofa or next to my wall, and I can't make this happen, so I'm just doing a little pony leg. Ooh, one and two and three. Okay? If you have space, live your best life. Donc, là les filles, mon plan, quand on a fini ça, tac, tac, ça c'est sur le tchou, ta la la. Et là, il fait une petite voix, il fait un petit oh. Et là, mon plan, c'était vraiment de faire quelque chose avec une sorte de d'attitude, ok, ici avec la jambe, tac, pour enchaîner sur 1 et 2. Mais j'ai pas assez de place chez moi, donc moi, tout ce que je fais, si c'est votre cas, vous pouvez faire pareil. Après la le tchou, l'espèce de claque là, je me caresse la joue. Ta na na. J'ai juste un petit. Un petit truc de poney, voilà. Je fais juste un petit, un peu comme on a fait là tout à l'heure, tac et tac, sauf que cette fois, je le ponise, voilà. Let's do it. So we did the hair wipe. This is ta la la, okay, the body roll, and here. To go one and two and three four. Let me do this to the back. Okay. One and two and three four. One and two and three four. Donc je vais vers l'avant. Un et deux, je reviens. Et trois, je me réoriente. Quatre. Ok. Notice, I change. I'm facing here. Un et 2 et I'm facing here. 4. So we do 1 and 2 and 3 and 4. And 4. Let me do it facing here. 1 and 2 and 3 and 4. Mais rappelez-vous, quand on fait le talon pointe en talon, en fait on fait plus comme un dégagé de balai là. D'accord, j'ai juste le bas de jambe qui vient brosser et ici je fais un rétro-pédalage pour pas défoncer mes talons qui m'ont coûté une blinde. D'accord? It's to do like a ballet extension, dégagé. And here I'm gonna, like on a bike, but all the way around. So like this, I'm not kicking my heels on the floor because my these dance shoes are super expensive. Okay? Let me do it facing you. So we just, we did tag. Body roll and oh, and we do 1 and 2 and 3 and 4. Awesome. Here, contraira, super easy. Okay, let's practice contraira facing each other. Okay, so you open on 5, on 6, you change. So I'm transfer here. I'm almost done half of my turn. I just have to. Finish facing you, close, and here I raise, and I'm gonna drop. When I drop, my heels are off the floor. Quand je fais le petit tic tomber, les talons, ils touchent pas le sol, d'accord? Sinon, ça fait vraiment lourd, quoi, ok? On a fait 1 et 2 et 3 et 4. You do your contraire, you prepare to warm me, tac, and you finish. Facing this direction, ok? So it's easy, it's not like a complete turn. Donc c'est plus facile, on ne fait pas un tour entier. Quand tu prépares, tu ouvres vers moi. Ici, tu vas tourner vers ta droite. Tu tournes vers ta droite. Tu regardes cette direction. Et tu montes sur les pointes de pied. Et juste, tu me fais un petit drop. Ok? Let me do this facing the back. Donc on a fait tac, hop. Here on a fait little pick up,
1 et 2 et 3 et 4, 5, 6, 7, 8. How did you go? Ok, awesome. One and two and three and four, five, six, seven, eight. Okay, if you want. Donc, on a fait notre contraira, on s'est retrouvé là et on a droppé, d'accord? Talon décollé du sol. Ici, just live your best life. Donc là, je veux juste que tu t'amuses et tu me fais ce que tu veux, un petit groove avec les hanches. Avec la poitrine, les deux si tu veux, d'accord? Ce que tu veux, 5, tu as 5, 6, 7, 8. Here on 5, 6, 7, 8, just live your best life. You're gonna turn facing me and I want to see this booty rolling or chest rolling. You do whatever you want, you can just have fun, ok? Ok, on 5, 6, 7, 8. Let's take it. 5, 6, 7, 8. 1 and 2. Sorry. 1 and 2 and 3 and 4. Contraira. 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4. So, once we finish our booty, we are almost done. This is your last 8, I promise. Okay? Keep going with me. Okay. So, we finish booty. You have 5 and 6. 7, 8. Let me show you how it's gonna look like. 5 and 6, 7, 8. Okay, footwork again. Let me come closer to you. 5 and, let's do on the side. 5 and 6, 7, 8. Usually to mark the bongo, donc je marque les bongos et ça sonne comme... And even on remixes songs, you can hear it. Donc même sur les remixes et les bachata modernes, vous l'entendez encore. Donc là, c'est ce qu'on va faire, sauf qu'on va juste changer la direction, on va aller vers l'avant. Here's the only thing you change is you go forward. 5 and 6, 7, ok? 7, I just open my left. Let's do this one more time. 5 and 6, 7, 8. Ok, now... I want you to do a cha-cha, because you can hear it in the song. We are going to mark like a cha-cha. On va faire un cha-cha ici. Donc on va faire 5 et 6, 7 et 8. Ok? Et 8. This is your cha-cha. 5 et 6, 7, cha-cha. Ok? So here my cha-cha, I'm going to cross at the back and recross at the front. Ok? Let me do this facing you. So we do 5 and 6, 7, 8. A little bit like your prep in salsa. Comme quand vous faites vos preps là pour spinner en salsa. Je vais derrière et 8. Pour être prête à repartir à 1 avec mon droit. Ok? Here you can add a little catching a fly. Donc ici, moi j'aime bien rajouter sur ce genre de mouvement comme un espèce de roll du poignet. Donc j'ai mon poignet qui est libre, je le lance et tac, je l'enroule comme si j'attrapais une mouche un peu. Je crois que ça vient du flamenco. Moi ça me fait penser au locking, en fait. Makes me think about locking in hip hop. C'est le bit, the same technique. You just launch your arms and your wrist stay free. Okay, so let's do this with catch a fly. So we do 5 and 6, 7, 8. Okay? And 5 and 6, 7, 8. Okay? And 8. Let's do facing the back. 1, 2, 3, 4. 5 and 6, 7, 8. Okay? Awesome. Let's do the second part. So, tick. Ta la la. Oh. 1 and 2 and 3 and 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8. Yes, let's do it facing the back. Enfin, for me. So, 1, 2, 3,
ta na na fa. 1 and 2 and 3 and 4 and 5, 6, 7, drop and up. 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8. Yes! Last count, promise. 1 and 2 and 3, 4. Okay, your timing here is 1 and 2 and 3, 4. 1 and 2 and 3, 4. You will hear it in the music. And 8. 1 and 2 and 3, 4. What's happening here? Open to the back, close to the front. And 2 and 3, 4. Let's do this one more time. 1 et 2 et 3, 4. Open, forward, open, back, open, close, okay? 1, forward, front, close, back, close, sorry. And 8, 1 et 2 et 3, 4. And from here, open to this direction. Your arms come here. My left arm is going on top. My left arm is on top. Okay. I roll inside. Là, j'ai les deux intérieurs des poignets connectés. Et je change. Okay. Donc, j'avais le gauche au-dessus. Je touche l'intérieur. Et là, je change, j'ai le droit au-dessus. Okay. Ici, j'oriente les paumes de main vers moi. Et je me débarrasse du corps. Okay, let's do this again. So I have my left on top, inside, right on top, palm facing me, and flick. Okay. So we did 5 and 6, 7, 8, 1 and 2 and 3, 4, 5 and 6 and 2. And you're done, and you finish. Et c'est tout, on a fini, d'accord? Donc, on refait juste la dernière partie. Donc, là, ta la la. Here you replace. Okay, and we do 1 and 2 and 3 and 4, 5, 6, 7, drop. Booty, 3, 3, 4, 5 and 6, 7, catch a fly. 1 and 2 and sassy. And 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. Ensemble, to the back. So we did. On le fait de dos, on est reparti. Donc, on l'a fait. Et 1, 2, 3, la, la, chi, ta, la, la, hey. 1 et 2 et 3 et 4. On travaillera 5, 6, 7, 8. Ce que tu veux. 2, 3, 4. Merde, pardon. 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2 et 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1. Ok. Now, to finish bigger, if you can, as you're here and your left is going on the top. And then inside, and then swap, and then palm facing you, and you flick. You can go down, knee tracking over your toe, and you're just finishing here, okay? Donc les filles, si vous voulez rajouter une version un peu plus dramatique, une fois que vous êtes habituées à ça, vous me rajoutez la descente de la changement de niveau quand vous fliquez les bras vers le haut, vous descendez vers le bas. Ok, c'est tout bête, mais visuellement ça a l'impact. Ok, donc si je le fais d'ici, ça tac, hop, échange. Ok, tac, échange. Ok, now let's do full on from the top. On le fait à fond du début. Prenez des risques, perdez l'équilibre, lose your balance, take some risk. Ok, you're in your safe zone. We are here to practice. So, this is the moment to test your limit.
Donc on y va, testez vos limites, lâchez-vous, d'accord? Faites-vous plaisir. Et voilà. Allez, on y va. Otra noche que te hago volar, muy alto las estrellas puedes tocar, pero conmigo no te puedes quedar. Antes de que el botón te abroche, hagámoslo como la última noche. Y si no volver, pa' que nadie sospeche, cambiamos de hotel. Tenerte en poca ropa, me quitas el sueño. Aunque nada es en serio, en ti me siento menos. Otra noche que te hago volar, muy alto las estrellas puedes tocar. Hagámoslo como la última noche. Y si no volver, pa' que nadie sospeche, cambiamos de hotel. Okay, we are done. Thank you so much for following this class along. I hope you enjoy it. It's a challenging choreography, okay? It's long, so it's a lot to remember. Just press pause, repeat, practice. There is no other secret than practice, guys. There is no secret, okay? So practice, maybe take a break and the second day practice. You will see your brain sort out stuff during the night. I will be so happy if you guys enjoy the choreography and want to take a video of you, and you want to send it to me in private message if you want, or if you want to post it online, you are more than welcome to do so. Please tag me. I will write into the description my Instagram and Facebook. Please tag me. I want to see the video. And yes, my former student from Australia, Melbourne. Guys, I really hope some of you will take this challenge. I miss you so much. I miss you so much, guys. And I would be so happy if some of you take the challenge. Mes précédents élèves de Nouvelle-Calédonie aussi. Si vous avez suivi ce cours en ligne et que la Corée vous a plu, les filles, j'attends vos vidéos. Vous pouvez me les envoyer un message privé pour toutes les Françaises là, soit un message privé, soit en... si vous voulez les poster publiquement, vraiment vous êtes bienvenue. Mais taguez-moi, d'accord? Je vais mettre dans la description mes Facebook et mes Instagram. Vraiment taguez-moi s'il vous plaît, j'ai vraiment envie de voir ça. Donnez-moi vos retours aussi. C'est une choré qui est difficile et elle est longue, d'accord? Rappelez-vous, vous pouvez mettre sur pause, répéter. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message. Et prenez un break, d'accord? Le premier jour, vous faites une partie, puis le lendemain, vous faites une deuxième partie, vous la revoyez. Pendant la nuit, le cerveau, il essaye de solver des problèmes, pas mal de problèmes. Et il n'y a pas de secret, il n'y a que la pratique, d'accord? Pratiquer, il n'y a pas de secret. C'est vraiment juste ça, c'est... Et voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura occupé un petit moment pendant ce confinement et que vous aurez appris quelques trucs, que vous vous serez amusé. Et voilà, juste ayez du fun. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Ciao!